On est tous des cousins germains, supporters, levez tous vos mains, tous unis dans le Parc des Princes pour supporter le Paris Saint-Germain. La classe de Thiago Silva, l'expérience de Thiago Motta, on a tous été stupéfaits par les nouveaux records de Libra et chantons. Allez Paris, allez Paris. Et salut à tous, à toutes les amis, c'est Fred Chopatat. On se retrouve aujourd'hui pour la pour le match de la Coupe de la Ligue. Donc comme vous venez de voir, Messi Ballon d'Or. Et là, pareil, on regarde cette petite info. Les supporters attendent le tirage au sort des 8e de finale de l'UEFA Champions League. Donc on va avoir le tirage au sort des 8e de finale de la Coupe de la Ligue, de la Ligue des Champions et les 16e de finale de l'Europa League. Donc on va juste avancer jusqu'au match au pire. Et nous allons voir donc le tirage au sort qui nous attend. Espérons que ce soit un bon tirage. Hein? Mais je vais pas entraîner les Pays-Bas, moi, que tu m'emmerdes, toi. Rejette l'offre, hop, voilà. Alors, on va regarder. Ah, bah ouais, les tirages au sort ont été faits. Attendez, bougez pas. Par des petites animations, elles sont pas mal. Regardez, Europa League. Vous voyez le tirage au sort, hein, voilà. Donc il a tiré le RB Leipzig. Mais bon, c'est dommage qu'on ne voit pas en temps réel, c'est dommage. Ensuite, l'UEFA Champions League. Donc forcément, on va aller ici, au classement. Choix de la compétition. Alors, on va commencer par l'Europa League. Alors, qu'a donné le tirage au sort? Donc, les 16e de finale opposeront Stade Rennais à la Lazio de Rome. Donc, ça va être très compliqué pour Rennes. Arsenal-Benfica. Milan AC contre le Red Bull Leipzig. Fenerbahçe-Betis-Séville. Le Standard de Liège contre Schalke 04. Dortmund contre le Sporting Portugal. Le Red Bull Salzbourg contre Tottenham. Le Spartak Moscou contre Manchester United. Chelsea face au Slavia Prague. Portimonense contre le Dynamo de Kiev. Besiktas face à Newcastle. Le Bayer Leverkusen face à Séville. Et enfin, Marseille affrontera Malmö. Naples contre le PAOK Thessalonique. Le Shakhtar Donetsk contre Villarreal. Et le CSKA Moscou face au Vitória Guimarães. Alors, pour ces tirages-là, Donc, est-ce qu'il y a vraiment des affiches? Bah, on peut dire Besiktas Newcastle est une belle affiche. Le Bayer Leverkusen contre le FC Séville est une belle affiche. Dortmund Sporting est une belle affiche. Red Bull Salzbourg Tottenham, on peut dire que c'est une belle affiche. Arsenal Benfica quand même. Milan Leipzig, ouais. Faire un match chez Betis Séville encore, ouais. Rennes Lazio, bon, c'est un peu déséquilibré, mais enfin bon. Et ensuite, nous allons regarder donc le tirage au sort de la Ligue des Champions. C'est parti. Alors, les huitièmes de finale, on aura Hoffenheim contre le FC Valence. L'Ajax contre l'Atlético Madrid. Et attention, Juventus FC Barcelone. Là, va y avoir du match. Inter Milan Paris Saint-Germain. Donc, on affrontera le club italien de l'Inter de Milan. Enfin, Liverpool AS Roma. Encore un choc. Monaco Bayern Munich. FC Porto Manchester City. Ouais, c'est un peu médiocre. Et Real Madrid Lokomotiv Moscou. Bon, hein, ça, c'est un match. Voilà. Donc, voilà. Et maintenant, on va passer aux choses sérieuses puisque nous allons arriver au match face à Genk. Risque de perdre 5 joueurs. Atlético Madrid. Ah! Il fait partie d'un des joueurs que je souhaite transférer puisque lui, je ne le supporte plus. Et 38 700 000. Je pense que je vais accepter l'offre. Allez, Rabiot, tu dégages. Je te supporte plus. Toi, tu me fais pas chier.
Alors, on va faire un petit truc quand même. Voilà. Voilà, le reste, on va laisser comme c'est. C'est vraiment que j'ai dit vraiment pour le. Pour les coupes, ce sera vraiment 6 bois. Hein. T'es stylé en noir aussi. Allez. Parti. T'es parti. Donc toujours invaincu à l'exception bon, d'un match de Ligue des Champions face à Liverpool. Sinon invaincu en Ligue des Champions, donc c'est pas mal. Enfin invaincu dans le reste des compétitions. Et là on va tenter de se qualifier en Coupe de la Ligue. On a le plaisir de suivre une demi-finale de la Coupe de la Ligue, Pierre. Compétition, les équipes prennent un peu par-dessus la jambe au début et de moins en moins quand on arrive vers T'es la sûr sortie. Qu'on est en demi-finale, ça Il y me a quand paraît même un peu un gros là. Europe direct, t'as pas à choper. Hein. Pour ce match, vous retrouverez le Paris Saint-Germain face à Guingamp. À Guingamp. Neymar, élément bien sûr très important dans ce match. Il a signé un triplé lors du dernier match, ça peut nous donner une idée de son état d'esprit, il est en pleine confiance. Ney. Vas-y Neymar, montre-nous tes fesses. Oh pardon, excusez-moi. Allez, le 11 de départ du Paris Saint-Germain. L'entraîneur a choisi un 4-5-1 pour cette rencontre. Sans doute pour obliger l'adversaire à sortir et à prendre des risques. Vous allez me dire, mais si tu vends Rabiot, il va plus te rester grand monde. Hein? Voilà. Je n'en dirai pas plus. Le 11 de départ de cette équipe guingampaise aujourd'hui. On voit le dispositif retenu par l'autre entraîneur. Il a opté pour un 4-5-1 lui aussi, avec une seule pointe et donc un. Une énorme densité au milieu de terrain. Ouais. Cap bleu, hein. Ça se rappelle, hein, le match avec des champions en Écosse. Il avait neigé. C'est le ballon officiel de la Coupe de la Ligue, hein. Je tiens à préciser quand même. On retrouve la Coupe de la Ligue avec ce match, Pierre. Nous en sommes pour le moment au 8e de finale. Ah oui, c'est bien ce qui me semblait, que c'était pas une demi-finale. Neymar. Ah, dommage. Il n'a pas fait ce que j'ai demandé. Mais ça part très loin avec ce dégagement. Nicolas Benezé. Oh non, oh. Épaule contre épaule, je joue le ballon. Le ballon dans la surface. Mais sérieux quoi. C'était dangereux. Mais la défense s'est dégagée au grand soulagement du gardien. Avec Neymar balle au pied et donc danger. Dommage. Ah, mais on peut dire que ça a été chaud, hein, pour la défense. Angle. Oscar Wendt. Richarlison. Ah putain, pourquoi tu m'as pas donné Verratti là? Ouais, pas belle cette passe, hein. C'est cadeau. Pardon. Voilà, je sais pas ce qu'il avait en tête. Il a donné ce ballon directement à l'adversaire. Allez. Le ballon donné en hauteur pour Draxler. Il ne prend pas le couloir finalement. Elle ah, dommage. La frappe. Et le ballon bloqué par le gardien. Ah non, le ballon est perdu. Neymar. Et Neymar la frappe. Eh, c'est pas beau ça, 1-0. Neymar qui marque. Oh, c'est bien joué de la part du Brésilien. Ouais, on sait que c'est le joueur qui crée les occasions et qui les conclut aussi. Et 1-0.
Neymar. Qui mène au score. 1-1-1-1-1-1-1. Ouais, il renverse le jeu. Oui, ça circule bien, ils construisent tranquillement. Nicolas Belizé. Ronny Rodelin. Au-dessus. Et la frappe. Alors, c'est complètement raté. Ça passe largement au-dessus. Aouré. Alors, désolé, j'ai eu un petit lag sur. Sur Laver Média. Donc je sais pas si ça va faire quelque chose. Allez, dans le couloir. Ouais, le ballon qui continue après ce tacle. De toute façon, je verrai bien au niveau, au moment du montage. Hein. Kanté. Daniel Alves. Allez, peut-être une bonne occasion. Le centre à destination de ses partenaires. Et le centre qui sera pour le gardien. Tranquille. Ah bah c'est gentil ça. Ouais, changement de possession, il va falloir se réorganiser. N'Golo Kanté. Choupo-Moting. Marco Verratti. Ouais, la frappe de loin. Ah, dommage. Oh non, il gâche un peu cette occasion. Si vous voulez mon avis, il n'a pas choisi la meilleure option. Hein, parce que le jeu, c'était pas là. Alors, comme vous pouvez le constater, il pleut. Attention aux prises de balles pour les gardiens. Il faudra peut-être jouer la sécurité, notamment sur les frappes de loin. Interception. Allez, qu'est-ce qu'ils vont en faire? Le centre vers ses coéquipiers. Le dégagement pour éloigner le danger. Ah, dommage. Allez, peut-être une possibilité de contre-attaque. Voyons voir. La défense qui est bien revenue et qui met fin à ce compte. Oh, que c'est bien donné, ça. Ah, j'ai l'impression qu'il ne donne rien. Excellente intervention du défenseur, là. Il l'a poussé trop loin. Oh, merde. Ça, c'est mauvais, oh, ça. La mauvaise passe. Il l'a pas regardé où il la mettait. Attention, il a du champ devant lui. Mbappé. Et 2-0. Kylian Mbappé. Oh, le but signé Kylian Mbappé. C'est quand même un peu plus logique qu'il marque ce but. 2-0. La domination était tellement écrasante, ça a fini par payer évidemment. 2-0. Ah, tu m'étonnes. Faisant une avance confortable. Christophe Kerbrat. Elle était bien placée pour intercepter cette passe. Il y avait peut-être une faute. Kylian Mbappé. Non, c'est pas très bien joué. Je peux pas revenir à la faute, s'il te plaît. Merde. Ouais, il a anticipé la trajectoire et a bien intercepté. Oui, il va centrer. Hey, ça a été corner. Par le défenseur avant de sortir, ce sera donc un corner. Et le tireur qui a visé. Accordé. Oh, que c'est mal joué, mais que c'est mal joué. Ah, il a cherché la complication et ça passe vraiment loin en plus. Hein. Voilà, passe complètement manquée, c'est cadeau. Mbappé. Allez, ballon donné en hauteur pour Draxler. Allez, le centre maintenant. Le centre est dommage. Coupé. Ça ne donne rien. J'ai pas eu ce que j'espérais. Rien de placer un contre. Attention. Voilà, la défense a repris le dessus. Le contre va donc en rester là. Marco Verratti. Julian Draxler. Mbappé. Oh, ra. Ah, j'espère que ce n'est elle pas était belle la passe, elle était belle. Il est allé au bout de son geste, mais c'était trop mal joué pour que ça donne. Bah, à la fin, non, c'est pas ce que je voulais faire, mais. Ah non, le ballon est perdu. Merde, touche.
Ça a été dévié. Touche. Choupo-Moting. N'Golo Kanté. On a décidé de laisser venir l'adversaire. Ouais, c'est finement joué là de la part de Ah, dommage. Ouais, ça passe largement à côté. Nicolas Benezé. Ils construisent, ils font tourner. La défense qui récupère. Ah! Et la voilà la frappe. Au-dessus. Ah non, dommage, la frappe n'est pas cadrée. Allez, 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 allez. Choupo-Moting. Neymar. Kylian Mbappé. Ouais, cette frappe qui est contrée, bien défendue. Je voulais dire, c'était pas Neymar là. Ouais, ça peut bien partir en contre, attention. Allez, dégage-moi ça. Rodelin. Y'a quoi là? Ah, il perd le ballon, bon tacle. Sortie de but. Ça va être un renvoi aux 5m50. Allez, 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 petit là, allez. Putain, un peu de nerf là sur les têtes là. Et Charlison. Oscar Vent. Non, elle a été interceptée cette passe. Choupo-Moting. Ouais. Un long ballon, loin devant. C'était merdique ce que j'ai fait. Attention à la frappe. Il repousse le tir. Il a préféré dégager ce ballon. Choupo-Moting. N'Golo Kanté. Marco Verratti. Ah, c'est contré. Marquinhos. Marco Verratti. La passe est mal assurée. C'est une interception. Il tente sa chance de loin. Putain, on va y arriver. Touche pour les joueurs de la capitale. Dani Alves. Choupo-Moting. Neymar. Oui, il va centrer là. Marco Verratti. Aïe, 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 Draxler, Draxler, Draxler. L'arbitre qui décide d'interrompre le jeu. Ouais. On va quand même c'est mort. Temps d'aller voir le joueur blessé. Ah, Draxler, aïe, 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 c'était pas prévu. Non, on prévoit jamais une blessure. T'as Draxler. Ouais, elle est out. Ah, putain. Diaby. Ah, attends, non. Choupo-Moting. Allez, Diaby. Je t'ai remarqué que j'ai un décalage, ça fait chier. Ça serait une balle à terre. Ouais, bah là, le joueur blessé ne peut plus continuer. Rodelin. Ouais, les Parisiens qui ont la balle maintenant, bien récupéré, bien joué. Nicolas Benezé. Ouais, ça sort en touche. Richarlison. Oscar Vent. Ah, la bonne qualité de ses passes. Oh, que c'est bien donné ça. Mbappé en bonne position. Oh, et le but, Diaby. Le but, magnifique. Ah bah, il vient à peine d'entrer en jeu. 3-0. Et sur un de ses premiers ballons, il marque. Bravo. Le gardien qui avait repoussé une première fois, mais ça n'a pas suffi dans un deuxième temps. Le buteur, il s'est pas fait prier pour marquer. Ah, clairement, ce match tourne à leur avantage. Rodelin. Ah, il est un petit peu pris là quand même. La frappe. Putain. Oh, oui, but.
Et regardez comment il a mis ce ballon dans la lucarne. 30 fois, je dis à Thiago Silva, vas-y, je voulais le prendre. Jamais il a voulu y aller. Le buteur qui réalise vraiment le geste juste. Ah, il cherchait la Lulu et il l'a vu. Bravo. Et avec ce nouveau but, ça nous fait donc 3-1 maintenant. Diaby. Mbappé. Choupo-Moting. À chaque fois, c'est une fusée, c'est mais bon, il y a des limites. Il a dégagé ce ballon très loin. Ah, une touche bien placée pour le PSG. Marco Verratti. Kanté. Allez, il faut centrer. Le tir. Oh, dommage. Ce n'est pas dommage. Ça en est fallu de peu. Allez, 3 minutes hein, de temps additionnel indiqué. Ah, il est à l'interception. Ouais, hop là. Le tacle, mais le ballon est perdu. Marco Verratti, Choupo-Moting. Merde. Oh, c'est l'interception. Allô, père. Allez, par-dessus. Ah ouais, bien donné en profondeur. Alors ça, c'est n'importe quoi, cette passe. Complètement à l'adversaire direct. Ah, il enchaîne les bonnes passes. Rodelin. La fin des 45 premières minutes qui ont été prolifiques puisque le score est déjà de... Allez, c'est parti pour la seconde période. Oh, il y a toujours cette pluie, Hervé. Ils prennent leur temps, ils posent le jeu. Traoré. Le centre à destination de ses partenaires. Et la bonne sortie du gardien. Rodelin. Etienne Didot. Oscar Vente. Oui, le centre peut-être. La tacle est propre, mais ballon toujours en jeu. Marco Verratti. Neymar. Putain, elle a pas suivi. Il a pas suivi Diaby. Allez, une touche bien placée pour le PSG. Dani Alves. Marc, il prend sa chance. Oh, dommage. À mon avis, ils sont pas contre une large victoire aujourd'hui. Ils continuent de se créer des occasions. Qu'avez-vous pensé de la première période de Neymar? C'est bien ce qu'il a fait dans cette première mi-temps. Il a inscrit un but, son équipe mène. Donc. Ouais, la frappe. Et le but Kylian Mbappé. Ah, tu lui laisses un demi-mètre ou un dixième d'avance, t'es mort. Ah, il est en jambes aujourd'hui. Hein. C'est son deuxième but dans ce match. Allez, 4-1. Ah, clairement, ce match tourne à leur avantage. La chevauchée de Neymar. Faut suivre Kylian, faut suivre. Le danger. Neymar. C'est un privilège hein, de voir jouer Neymar quand même. Lui il me fait rêver parce qu'il fait des trucs avec le ballon que d'autres n'arrivent même pas à imaginer. Il agace beaucoup ses adversaires qui ont tendance à souvent lui mettre des gifles, mais moi je paye mon billet pour le voir jouer. Oh, quel arrêt. Allez, ça va peut-être lui redonner confiance. J'espère pour lui parce que pour le moment c'est vraiment pas terrible. L'occasion de mettre le ballon dans la surface avec ce corner. Bien centré de la part de Neymar. Oh, dommage. Ouais, bon arrêt, tranquille sur cette tête. eSports vous propose de suivre un rendez-vous de Ligue 1 Conforama avec cette rencontre. Le Paris Saint-Germain accueillera le FC Nantes à domicile. Ouais, un match. Ouais, Neymar, superbe ballon dans l'intervalle, attention. Comment on vote ? Eh, pas d'autre choix. Bien donné ce ballon, mais le danger est écarté.
Ah putain, oh monsieur l'arbitre, il y a faute. Rodelin. Un mot Pierre sur le prochain match de Guingamp. Le club sera opposé à Monaco pour cette prochaine rencontre. Et ce sera pour le compte de la Ligue 1 Conforama. Je pense que la hiérarchie. Ah dommage. Donc, c'est bien mené, ça. La passe est interceptée. Selon certaines informations, Adrien Rabiot serait en passe de rejoindre l'Atlético Madrid. Il est encore trop tôt pour se prononcer, mais c'est vrai que la rumeur existe et enfle. Ronny Rodelin. Attention à la frappe. Ah, la passe n'arrivera pas à destination. Un prochain arrêt de jeu. Les visiteurs vont faire rentrer un petit peu de sang neuf. Ah, ce serait pas mal, oui. On écarte le jeu. Il centre au second poteau. Il était ouais, bien parti le centre, mais il n'y avait personne. Allez, allez, allez. Meilleur de cette partie. Traoré. Ballon repris par Verratti. Oh, joli. Le centre à destination de ses partenaires. Thiago Silva qui dégage. Étienne Didot. Traoré. Bon tacle, mais ce n'est pas fini. Ronny Rodelin. Ouais, il donne de l'air à son équipe. Choupo-Moting. Ouais, lumineuse cette passe. En profondeur. Oh, dommage. Ah, j'étais à fond dedans là. Par le défenseur avant de sortir. Ce sera donc un corner. Le ballon qui s'éloigne de la zone dangereuse. Marco Verratti. Ah, l'arbitre. Kylian. Oh, Kylian, non, Kylian. Marco Verratti. Oui, il a des bonnes possibilités là en attaque. Est-ce ce ballon qui traîne? Marco Verratti. Deux secondes. Je prends pas de risque. Je suis désolé, je prends pas de risque. Timothy, tu rentres. Ah, c'est peut-être lui, hein, l'homme du match. Pour l'instant, oui. Tabanou. Ah oui, la bonne passe. Ronny Rodelin. Ah là, il y a du monde au second poteau. Oh non! Là, c'est donc un but contre son camp. Ah, le pauvre, il a l'air dépité. C'est pas, allez, c'est Bernat. Parce que non là, c'est trop dur. Oh, c'est Choupo-Moting. Le but sous un autre angle. 4 à 2. Avance de 2 buts au tableau d'affichage. Marco Verratti. Choupo-Moting. Neymar. Les Parisiens qui vont visiblement essayer quelque chose là. Neymar, la frappe. Diaby. Dommage. Le défenseur qui contre ce ballon. Neymar. Oh merde. Tabanou. Les 20 dernières minutes, hein, nous y sommes. Allez, peut-être une possibilité de contre-attaque. Voyons voir. Neymar. Oh, dommage. Ah, la passe est interceptée, le ballon est perdu. J'y ai pas cru, là. Nicolas Benezé. Voilà, je sais pas ce qu'il avait en tête. Il a donné ce ballon directement à l'adversaire. Ah, putain. Très mal donné, hein, ce trop ballon. Fort. Le centre vers ses coéquipiers. Étienne Didot. Waouh. Ah non, mauvais tir. Hein. Quelle frappe du but.
Marco Verratti, Choupo-Moting. Ah, j'ai oublié le ballon. Change de camp. Par contre, avec ce différé, ça m'agace. J'entends tout en différé. C'est chiant. Nicolas Benezé, à la passe qui trouve un joueur de l'équipe adverse. Diaby. Timothy Weah. Voilà. Ça part très loin avec ce dégagement. Choupo-Moting. Oui, ils sont plusieurs, ça peut aller au bout. Nicolas Benezé. Allez, ils ont peut-être de quoi lancer une contre-attaque. Choupo-Moting. Elle était bien placée pour intercepter cette passe. Faute. La faute. Attention là au jaune avec ce tacle un peu limite. C'est un petit moment que j'ai pas eu de jaune. Ouais, l'arbitre, il pouvait pas laisser passer cette faute. Non, il pouvait pas. Jaune au joueur parisien. Ouais. Allez, peut-être une bonne occasion. Rodelin. Kanté. Neymar. Choupo-Moting. Neymar. Kanté. Oh, quel arrêt. Le gardien qui ne peut que repousser. C'est pas terminé. Allez, touche. Ouais, allez, on continue. On ne s'arrête pas. Choupo-Moting. Diaby. Oh là-bas. Oh, sauvé. Dommage. Par la barre. Un long ballon loin devant. Il a tout fait pour marquer, mais quand la malchance s'emmène, enfin bref. Ah non, le ballon est perdu. N'Golo Kanté. Bon tacle, monsieur. Ouais, Traoré. Nicolas Benezé. Rodelin. Pas mauvais du pied, Cibois. Mahmoud Hassan très aigué. Etienne Didot. Oh, la bonne inspiration sur cette passe. Et il envoie le ballon très loin. Et la voilà, la frappe. Oh, heureusement qu'il se loupe. Le but de l'espoir peut-être. Nicolas Benezé, le PSG bien organisé, hein, qui a bien subtilisé ce ballon. L'arbitre qui laisse l'avantage, il va centrer. Le danger qui s'éloigne, c'était pourtant bien donné. Putain, il dure pas longtemps l'avantage avec toi, frère. Rodelin. Traoré. Le centre à destination de ses partenaires. Ouf. Franck Tabanou. Et c'est fini. Il s'impose donc dans ce match sur le qualifié pour les quarts de finale. Une victoire qui permet à l'équipe de continuer sa progression dans cette compétition. On a assez hâte de les revoir en quart de finale en tout cas. Pierre, j'aimerais bien avoir votre sentiment dans ce prestation. Une prestation de sa part vraiment, avec deux buts et la victoire dans la poche. Il a l'air content de lui, il a bien raison. Mais qu'est-ce que t'arrives, Kylian, mon gars? T'es tout rigide! T'es mort ou quoi? Oh putain, la crise! Tant que victoire 4 buts à 2.
Niveau résultat, ouais. Cinq jours, ça va. Et pour Draxler. Draxler, saison finie. Ligament croisé antérieur. Environ 7 mois, donc c'est fini. Saison finie pour Draxler. Ça change un peu ma donne là par contre. Bref, on va se laisser là pour aujourd'hui, les amis. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner si ce n'est pas encore fait. On se retrouve pour le prochain match qui se déroulera, je ne sais plus. J'ai en train de mémoire dimanche, donc contre Nantes. En attendant, restez chaud patate. Bye bye. On est tous des cousins germains, supporters, levez tous vos mains, tous unis dans le Parc des Princes pour supporter le Paris Saint-Germain. La classe de Thiago Silva, l'expérience de Thiago Motta, on a tous été stupéfaits par les nouveaux records de Libra et chantons. Allez Paris, allez Paris, allez Paris, allez Paris, allez Paris. Saint-Germain, supporters, levez tous vos mains, tous unis dans le Parc des Princes pour supporter le Paris Saint-Germain. La classe de Thiago Silva, l'expérience de Thiago Motta, on a tous été stupéfaits par les nouveaux records de Libra et chantons. Allez Paris, 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 allez Paris. On est tous des cousins germains. Supporters, levez tous vos mains, tous unis dans le Parc des Princes pour supporter le Paris Saint-Germain. La classe de Thiago Silva, l'expérience de Thiago Motta, on a tous été stupéfaits par les nouveaux records de Libra et chantons. Allez Paris, 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 allez Paris. On est tous des cousins germains. Supporters, levez tous vos mains, tous unis dans le Parc des Princes pour supporter le Paris Saint-Germain. La classe de Thiago Silva.